Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man 2, évidemment. Épisode 23, comme d'habitude. Un j'aime et un commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Et on est parti. Là, on sent quand même que le symbiote, il pèse de plus en plus sur le comportement et le changement de comportement de notre ami Peter. Donc, ça commence à sentir pas très bon, toutes ces conneries. Mais on va voir un petit peu là où cela va nous mener. Et surtout, est-ce que Venom va se montrer? C'est ça qui nous intéresse le plus. Vous l'aurez compris, je pense. Le signataire vient de super loin, en fait. Genre, carrément plusieurs millions de kilomètres, quoi. Genre, de l'espace? Non, je pense plutôt à un brouillage de position, un truc du genre. Ouais, je devrais pouvoir remonter à la source avec quelques boîtes de plus. Je sais pas qui fait ça, mais j'aimerais bien le rencontrer. Ok, on va commencer par un petit Creams. Ça, tu connais, hein. Tu sais que ça me régale, les petits Creams. Oh, Harry Osborn. Incroyable. Ces chasseurs vont tuer quelqu'un. Okay. Vous allez le regretter. Waouh, je suis vraiment de plus en plus vénère. Ce qui est bien, c'est que pour les vocaux... Ce qui est bien, c'est que pour les vocaux, ils ont dû... Le doubleur, donc Donald Renew, a dû enregistrer une version énervée, je suppose, de lui quand il a le symbiote. Et des phrases en version normale en plus. J'ai pas de temps à perdre avec ça aujourd'hui. Ouais. Donc il a dû faire un double record, hein, finalement. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça a été taffé, quoi, en fait, tout simplement. Ça a été taffé. Là, on voit rien qu'à la voix le changement de comportement de Peter Parker, ou en tout cas, on en déduit que ça va devenir terrible ce qui va se passer. Oh. Ah, c'est l'article dont je te parlais. J'aimerais avoir ton avis. Ça a l'air génial, MJ. J'ai trop hâte de le lire. Attends. T'as toujours le costume. Connors devait pas t'aider à le retirer. Et Harry, alors? Désolé. On peut en reparler demain. Combattre le lézard. Ça m'a éclaté. Bien. Les fenêtres, c'est exclu. Il me reste que les escaliers. T'es où, Peter? Salut, vous êtes sur le... sur le répondeur de Pete. Ouais, bah, ça va. Attendez. Waouh. Direct que l'araignée ne vit pas. Où est-ce qu'ils sont? Je suis en mouvement. Sur un. La voilà. S'il surveille devant et derrière, j'ai peut-être une chance par le sous-sol. Fous pas, s'il te plaît. Oh, merci. L'atelier de Pete. Ok. Alors? Wish. Des lance-toiles. Ah, parfait.
geste. Ok. C'est pratique. Waouh. Envoyez la deuxième équipe. Qu'on passe la maison au paillot. Eh bien, oh, ça devient une Call of Duty. Ok. Peter a pris la rue parallèle. Je peux. C'est le merdier dans le quartier là. Hein. Qui a neutralisé H2? Je ne sais rien. Restez dans le secteur. Si on trouve quoi que ce soit dans la maison, je le dirai. Bien reçu. Jeter un œil. Fais bien. Qu'est-ce? Ok. Bébé? Je m'attendais pas à ça. C'est une agréable surprise. Ok. On perd du temps et l'araignée continue de bouger. On finira bien par la voir. Boot. Attendez, je vais voir. Toujours derrière. Bon, pas mal. Waouh! Zigzag!
cette maison. La voilà. Les chasseurs. Bon, j'ai voulu peut-être un peu trop me précipiter. Ok. Oui, je vais entrer dans cette maison. Mes chasseurs. Comme ça, non ? Cette femme vous a traqué toute la nuit, alors que vous poursuiviez sa vie. Elle sera dans les parages. Lorsque vous trouverez notre proie, il faudra me ramener les deux. Va, mais t'en fais pas. Ils doivent être près de l'araignée. Ils nous feront signe quand ce sera bon. Ouais. On doit avancer. Je vais voir ce qu'ils essaient. Qui est con ? Attendez, je vais voir. Échappe, Fosker. Beaucoup ce qui se passe là. C'est beaucoup là ce qui se passe. Oui, il est parti. Peter, faut que tu me suives. Miles ? Là-haut ! Faut que tu le rattrapes. Allez, mon Miles ! On y va, mon frère ! Wouh ! Oui. Désolé, je suis en retard. C'est quoi ce délire avec Pete ? Il est pas lui-même. Ça doit avoir un rapport avec son costume. Ça s'appelle un symbiote et... Oh là là, le pauvre Miles, il doit affronter le symbiote. Hein ? Il porte un alien ? Il a besoin d'aide, Miles. Je t'en prie. Je m'en occupe, MJ. Oh, Miles, il est beaucoup trop gentil, je le kiffe trop, les gars. Oh, Miles, je le kiffe trop. Spider-Man, c'est moi ! Ah ! Il vient de me lancer une flaque d'égout ! T'es certain que c'est toi qui le disais ? Quasi sûr ! Okay. Il s'est arrêté devant le tunnel de Queensborough ! Il y a des chasseurs partout ! D'accord, okay. Je suis en route. Assure-toi que les chasseurs ne le délogent pas encore. Entendu ! Change de position. Le tunnel okay. Il est dans le... Yeah. Spider-Man, stop ! Qu'est-ce qui se passe ? Parle-moi ! Il était juste un peu bizarre. Ok. Mais là, ça devient n'importe quoi. Wow, calme, Miles, frère, mon frère. Ce montage en l'air. Spider-Man, tu te souviens ? Allez, essaie de te reprendre ! Comment tu veux que je boucle mon essai sans mon tuteur préféré ? Je suis presque, Miles. Comment va Peter ? Il est furax. Et il écoute rien ce que je lui dis. Alors on va peut-être devoir s'y prendre autrement. Je suis ouvert à toutes les suggestions. C'est dur, hein, les gars. Hein. Mike, enferme-moi dans le tunnel avec Pete. Quoi ? Si je lui parle de la seule, je pourrais sûrement le ramener à la maison. MJ, je suis pas convaincu que ce soit... Tout de suite, Mike. C'est pas vrai. Oh la
pas mauvaise idée. MJ, MJ, est-ce que ça va? Ouais. Mais je vois pas Pete. Oh, la mauvaise idée. Oh oui, d'accord. Je veux juste discuter. Comme ça devient un vrai survival horror, sa mère. Ok. Je veux pas te faire de mal. Pourquoi tu t'énerves comme ça, mon frère? Avec son lance-roulette et son taser, c'est vrai que c'est vrai qu'elle peut faire grand chose, hein. Bon bah on reprend la bagarre, hein. Donne-moi des news, MJ. Comment ça va de ton côté? J'ai trouvé Peter, mais... il est endormi. C'est une bonne nouvelle? Je vais essayer de le réveiller. Tu pourrais retenir les chasseurs encore un peu. Je vais essayer. C'est dur. Il a tiré sur son propre pote, hein, mon frère. On fait beaucoup de bruit quand même. La police va débarquer. Alors, c'est juste pour vous prévenir que vous aurez du public quand je vous mettrai une raclée. Allez. Ça c'est très bien ça. Il s'est d'office débarrassé. Faire l'éliminer direct parce que ça c'est infernal. J'ai que deux snipers sur mes côtes. Allez, toi t'es mort. Waouh.
Allez, non, ta mère! Oh non, c'est pas ça. Ok. Allez, toi, je te mets en l'air. Bébé! Spider-Man! Oh non. La grue ne répond plus! Allez! Qui travaille de nuit? J'arrive! Fils de pute! C'est un problème, même si c'est trop stylé. Bon, finalement, on va vers eux. Waouh! Un film d'horreur. Waouh! C'est ma sortie. On a fouillé tout le tunnel. Il a disparu. Pour l'instant. Mais il ne va pas tarder à revenir. Oh, waouh! On commence à voir les dents dans le dos, les gars. Comment je me suis retrouvé à dormir sur un banc? Et pourquoi j'ai l'impression d'avoir dormi comme un loir? Bon, à part, c'est un bizarre. Harry m'a laissé un autre message. Pete, je dois vraiment récupérer ce costume.
Mon père travaille sur un nouveau remède, mais... je sais pas. Ramène-le-moi. S'il te plaît. Bizarre, hein. Nouvel article de Mary Jane. Alerte-toi du Bugle. Nouvel article d'MJ. Non. Elle l'a publié avant de me le faire lire. Ah, il a aucun souvenir. Oh là là. Le jeu devient obscurs. Ok, ok. On va faire un petit crims. En tant que société, nous devons... Ok. Ça va être clé. Ok, allez, ça dégage. Et ça dégage. Merci. Au revoir. Ben voilà. Non ? C'est ce que je pensais. Personne ne m'échappera. Bon. Encore un niveau. Ouais, non, là, c'est incroyable, les gars, tout ce qui se passe. On prend beaucoup trop de niveaux. Encore un point de compétence, total 2. On en a pris, c'est showtime, hein. Les gars, Miles Morales s'est fait kidnapper. Le prochain épisode va être, à mon avis, tout aussi hardcore que celui-ci. Si vous voulez mon avis, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ça? Égale-moi. Ok. Des pièces high-tech, comme ça, même un toit, incroyable. Ça fait plaisir, ça régale. Non mais attends, what? Et ça? Mais comment ça? Depuis quand il y a ça? Encore de la tech volée. On pourrait s'en servir. C'est fou? Attends, il y en a à tous les... Il y en a sur tous les toits ou c'est comment? Attendez, je crois qu'il y en a un sur le toit là-haut. Non? Et on va pouvoir s'arrêter là. Non, bah y a pas. Bon, bah les amis, cette aventure, elle devient quand même assez incroyable. Bon, elle l'est depuis le début, mais enfin là, ça devient très obscur et très hardcore. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, évidemment. Regardez les veines sur mon dos, partout. On devient Venom, les gars, ça devient terrible, hein. Allez, à bientôt tout le monde. N'oubliez pas encore une fois le j'aime et le commentaire. Bisous, bye bye.